Bonjour tout le monde. Donc me voici pour une vidéo sur un haul Action, Noz et AliExpress. Donc je vais commencer par Action. Donc j'ai pris des boîtes comme ceci, donc à 79 centimes, et des rubans comme ceci. Donc j'ai repris ceux avec des cœurs. C'est ceux qui me plaisaient le plus. Donc voilà. Et j'ai trouvé la LED Light Pad comme ceci. Donc je vous la montre pas parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui la montrent. Voilà, je l'ai trouvée. Elle était dans le rayon des nouveautés de la semaine. Donc voilà pour Action. Normalement c'était tout. Donc pour AliExpress, j'ai trouvé. Donc je vous mettrai les liens en commentaire. Donc j'ai trouvé un petit moule comme ceci. Donc j'ai pas eu le temps d'en faire un, donc je peux pas vous montrer ce que ça donne. J'ai trouvé celui-ci. Donc il y a quatre petits cadres différents. J'aime bien celui-là. Je vous montrerai quand je l'aurai fait. Ensuite, j'ai trouvé ce tampon là sur le thème Halloween comme ceci. Donc vous avez la pancarte, il y a le reflet de l'appareil photo, je suis désolée, donc il y a des citrouilles. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit tampon de Noël. Je vais essayer de, c'est pas évident, il y a le reflet de la caméra dedans. Si je baisse comme ça, je baisse. Donc avec un renne et le Père Noël. J'ai trouvé ce set de tampons plus les dies assortis, mais ils sont à part, il faut payer en deux fois. Donc avec des chapeaux de sorcière. Donc il y en a un avec une petite araignée ici. Je suis désolée, il y a le reflet de la caméra, évidemment. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc celui-ci avec les boules de Noël. Donc il y en a un rond et un avec une forme un peu bizarre, je sais pas. Donc vous avez le die assorti. Donc c'est Alina Craft. J'ai trouvé les mêmes tampons qu'il y avait à Noz à l'époque. Il y a même pas un mois. Par contre, moi, il n'y était pas dans le mien. Mais je les ai trouvés sur AliExpress. Donc j'ai pris celui-ci, le papillon, comme ceci, avec les engrenages ici. Donc il me plaisait beaucoup. Et il n'y était pas à Noz. Donc je l'ai trouvé sur AliExpress. Et le lion, comme ceci. Je l'aimais bien celui-là, magnifique. Donc voilà pour AliExpress. Donc je passe maintenant à Noz. Donc j'ai repris un set comme ceci de différentes colles. Donc avec la souris ou des pastilles. Donc à 2,99€. Il en avait remis plein, donc j'en ai pris deux. J'ai trouvé dans un petit coin de nouveautés pour Noël des demi-perles comme ceci à 75 centimes le paquet. Donc argent et un peu doré. Et des sequins comme ceci. Donc j'ai pris les or et argent, il y avait des rouges et verts, mais j'ai préféré les or et argent à 75 centimes le paquet. Ensuite j'ai trouvé ceci, Magic Foam, j'appelle ça. Je vous montre le nom parce que c'est pas français. À 1,20€. En fait, c'est une mousse qu'on fait chauffer et en fait, on peut l'utiliser comme un tampon. Donc, on fait chauffer, on pose sur par exemple des boutons et en fait, on met de l'encre
Et voilà. Ça fait comme un tampon pour faire un tampon. Donc voilà. J'ai trouvé des rubans comme ceci. Donc là, ils sont marron à point blanc. Donc toujours dans le rayon Noël. Il n'y a pas le prix. Je peux pas vous le donner, j'ai pas le prix. Voilà. Il y avait d'autres modèles, mais j'ai préféré cela. J'ai trouvé des cœurs comme ceci en ardoise avec des personnages. À 75 centimes le paquet. Donc on a 6 de temps. J'ai trouvé pour le mix média de la pentacrylique comme ceci. 28 millilitres à 39 centimes. Donc j'ai trouvé trois couleurs. Donc il y a du marron foncé, du noir et du beige. Voilà. J'ai ensuite trouvé des feuilles comme ceci avec des dessins, des photos d'anges. Donc moi je vais les découper. Donc à 50 centimes le paquet, il y en a peut-être une dizaine, je sais pas, il n'y a pas marqué. Donc voilà. C'est Nelly Vintage. Voilà. J'ai trouvé aussi dans le thème de Noël, donc des rouges comme ceci. Donc il y a... En fait elle est divisée en deux. Donc on peut soit faire une carte, soit utiliser le papier comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais pour Noël, c'est très sympa. Donc rouge et blanc, pour 99 centimes le paquet. Il doit y en avoir peut-être une dizaine aussi. Donc voilà. Donc je vais montrer comme ça, parce que... Voilà. J'ai trouvé aussi un paquet comme ceci, à 1,50€, de 8 feuilles en mousse. Donc c'est du A4. Donc vous avez le vert, le blanc, le rouge et le marron. Donc toujours dans le coin de Noël. Ensuite j'ai trouvé le dice comme ceci de Noël. Donc ça donne ça. Donc j'ai pris ce modèle là, il y en avait un autre. Mais bon, ça coûte quand même 6€. Donc j'ai été raisonnable, j'en ai pris qu'un. J'ai pris celui qui me plaisait le plus. L'autre, il y avait marqué, c'était plus grand l'écriture, il y avait marqué plusieurs trucs. J'ai préféré celui-là. Donc il est quand même grand. Il fait 12,7 par 17 cm. Donc on peut faire une grande carte avec, c'est magnifique. J'aime bien celui-là, il est magnifique. J'ai trouvé ensuite des comme ça pour embosser. C'est pas des plaques, mais là c'est. Il n'y a pas marqué comment ça s'appelle, mais c'est pour. On peut faire de l'embossage ou même pour broder. Enfin, j'ai trouvé celui-ci avec le papillon. Donc, le papillon. Oui, le papillon. L'oiseau. Donc voilà. Donc, comme ceci. Donc avec ce modèle-là. Et. Celui-là avec un petit renne. Donc on le voit comme ceci. Donc les autres, il n'y avait pas. Il était mignon celui avec le chat, j'aurais bien voulu l'avoir, mais bon, il n'y était pas. Donc 99 centimes chacun. Excusez-moi. J'ai plus parlé en ce moment. Donc voilà. Donc c'est fini pour les hauls. Donc voilà les nouveautés, comme ça si vous voulez aller les voir rapidement, je vous montre 2-3 trucs que j'ai trouvé. Donc il y a plein de choses que d'autres personnes ont trouvé dans les noses, mais moi j'ai trouvé que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à très vite, gros bisous à tous, au revoir.